C'est là. Comment tu vas? Onyango, tu fais quoi ici chez moi? C'est quoi que tu portes comme ça? C'est quoi ça? Il ne voit pas que c'est mon costume de travail. Oui, je travaille comme on les appelle Mankokomana. Bref, je suis une attireuse de clients. Oui. Bonigo, tu es sûr que c'est elle qu'elle... Salut à tous, c'est Figret. Bienvenue sur Figret Story. Le fruit de la colère 2. Il faut déjà qu'on ouvre notre agence d'enquête. Vous en dites quoi, Ifunaya Sera? Oui, Bonigo, tu as raison. Ça va s'appeler l'Enjoy. Oui, l'Enjoy. C'est quoi ça? Tu enjoy quoi? Mon chéla, ça va plutôt s'appeler Ogenemé. C'est quoi ça? C'est encore en quelle langue là-bas? Je crois que j'ai trouvé le nom idéal, les filles. Quoi comme ça? Les bis. Ça sort d'où ça? Les bis, c'est encore quoi, non? Ça me rappelle seulement le cauchemar de l'école. Il y avait toujours mon nom dans la liste des babins. Et il y avait toujours bis. Quel cauchemar, oh. Regardez. B pour Bolingo. I pour Ifunaya. Et maintenant, S pour Sela. Wow, Bolingo, tu es vraiment un génie. Bolingo, oui, tu as raison. Les bis. Au fait, les amis, si vous n'avez pas vu la partie précédente, vous pouvez aller en commentaire et cliquer sur le lien pour la voir. On commence la voix. Comment tu parles seulement en chantant comme ça? Souvenons-nous, Kana, alias la Diablesse, est une femme indépendante qui a formé un groupe de trafiquantes. On doit l'officier craquer la Diablesse depuis très longtemps. Mais récemment, il avait enfin pu avoir une réelle piste. Alors, comment ça s'est passé? Carlos, je pense avoir une réelle piste. Mais pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas comment dire ça. Cette femme avait un truc, quelque chose émanait d'elle lorsqu'elle parlait. Elle avait tellement d'assurance et cela pouvait se voir qu'elle connaît de grandes personnalités, dont peut-être même le général et le commissaire. Donc si j'écoute bien ce que tu dis, tu penses que ça pourrait être elle? Oui, Carlos, je pense qu'elle pourrait très bien être cette femme que je cherche depuis des années maintenant, la Diablesse. Mais avant tout ça, il faut que je trouve un moyen de savoir si elle est vraiment la Diablesse. Je suis avec toi, mon frère. De l'autre côté, la Diablesse prévoyait de s'associer avec Péché, et ce, afin que sa réputation augmente davantage. Nous devons nous associer avec Péché. Et ça, à tout prix. Oui, Diablesse, tu connais très bien le plan venant. Une fois que nous serons associés avec Péché, nous le détrônerons. Et ce sera enfin les femmes qui régneront dans ce trafic. Venant, oui, madame, va réveiller tout le monde. Ce soir, je veux que toute cette marchandise soit vendue. Est-ce que tu m'as comprise? Oui, Diablesse. Pendant ce temps, Apuchu ne semblait pas avoir vraiment apprécié le coup de feu qu'il avait reçu de la part de la Diablesse. Cette femme ne sait pas encore qui je suis. Doucement. Désolé, monsieur. Elle va le regretter. Elle va regretter son geste. Bobo, renseigne-toi sur cette Diablesse. Je veux tout connaître sur elle. D'accord, monsieur. Mais fais ça doucement, non? Désolé, monsieur, je fais doucement. Un soir, Kana, qui avait passé toute la journée à sa planque, rentra chez elle. Bonne arrivée, madame. Ifunaya, Nanga s'est déjà endormie? Non, maman, je ne me suis pas endormie. Tu as encore oublié qu'aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Mais qu'as-tu déjà fait avec moi? Dis-moi, avons-nous déjà fait une sortie? Nanga, tu me parles autrement. Mais où te crois-tu? Et qui t'a mis l'idée selon laquelle moi, je dois sortir avec toi? Donc, tu préfères que je sorte tout le temps
avec ses gardes. Mais je suis fatiguée de cette vie de prison. Je ne suis pas une prisonnière. Et s'il vous plaît, mademoiselle Nanga, calmez-vous. Je suis fatiguée, Ifunaya. Ces affaires sont toujours plus importantes que moi. Mais quel genre d'affaires fais-tu? Ces gens savent-ils que tu emprisonnes ta fille? Mais tais-toi! La prochaine fois que tu oseras lever le ton avec moi, crois-moi que tu le regretteras. Ifunaya, j'attends le dîner dans ma chambre. D'accord, madame. D'accord. Mademoiselle Nanga, tu vois, Ifunaya, elle ne m'aime pas. Pas du tout. Mademoiselle Nanga, je vais tout voir dans cette maison. Et je suis même seule. Bolingo, c'est là. Ils ont trouvé du travail ailleurs. Le lendemain matin, Nanga se leva très tôt. Je suis vraiment fatiguée de tout ceci. Je veux m'en aller d'ici. Je veux pouvoir me balader toute seule. Je suis vraiment fatiguée de cette prison. Mais il faut que je trouve un moyen de sortir en douce. Alors, elle ouvrit doucement sa porte et guetta autour s'il y avait un garde. Il y avait bien deux gardes, mais ils étaient en train de discuter pas loin. Du coup, Nanga sortit discrètement de sa chambre et s'en alla au salon. Une fois arrivé au salon, il y avait deux autres de ses gardes. Comment je vais faire maintenant? Ouais, qu'est-ce que tu en dis? Tu trouves la patronne comment? Ouais, elle est très belle et très sexy. Ouais, mec. Qu'ils sont vraiment pathétiques. Allez, viens. Allons demander à Ifunaya un peu de jus. Ouais, il n'y a même pas une bouteille d'alcool qui traîne là. Bon débarras. Ainsi, Nanga sortit. Elle réussit également à passer la surveillance de l'extérieur de la maison et sortit enfin hors du portail. Et maintenant, où je vais aller? Je vais aller chez ton fac d'abord. Mais elle ne savait pas que là-dehors, le danger l'attendait. Car les hommes d'Apuchu surveillaient désormais les alentours de la maison de la diablesse. Allez, boss, il y a une jeune fille qui vient juste de sortir de la maison de la diablesse. Une jeune fille? La diablesse aurait-elle une fille? Nous ne savons pas, monsieur. Vous savez quoi? Kidnappez là. Nous verrons ce qu'en pense notre chère diablesse. D'accord, monsieur. Ainsi, il commença à poursuivre Nanga. Mais plus loin, il y avait également l'officier Ondoa. D'accord, merci beaucoup. Nanga passa donc devant lui et il remarqua qu'il y avait un homme qui la suivait de près. Et il décida donc de les poursuivre également. De l'autre côté, à la maison de Kana. Mademoiselle. Mais que se passe-t-il ici? Madame, en fait, votre fille refuse d'ouvrir la porte. Ça doit sûrement être à cause d'hier soir. Parlez-lui, madame. Nanga, ouvre tout de suite cette porte. Ne fais pas que je me fâche. Crois-moi que tu n'as pas envie de voir ma colère. Allez, ouvre. Si tu n'ouvres pas tout de suite cette porte, elle se fera défoncer. Nanga, défoncez la porte. D'accord, madame. Et ainsi, ils défoncèrent la porte et virent que Nanga n'était pas à l'intérieur. Mais comment ça se fait qu'elle ne soit pas là? Où est-elle? Mais madame, elle n'est pas sortie. Depuis le matin, elle n'est pas sortie. Oui, madame, elle n'est pas sortie. Comment ça? Elle n'est pas sortie. Où est-elle alors? Je vous préviens, vous avez intérêt à retrouver ma fille. Sinon... D'accord, madame. Allons-y, cherchons aux alentours. Madame, calmez-vous. Mais où a-t-elle bien pu aller? Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Ifunaya, demande au chauffeur de préparer ma voiture. D'accord, madame. Et c'est ainsi que la diablesse et ses hommes se mirent en route. Pendant ce temps, Nanga traversa un couloir et l'homme qu'avait envoyé à Apuchu profita pour essayer de la kidnapper. Hey, toi! Mais que me voulez-vous? Viens par là! Non, lâchez-moi! Lâchez-moi! Ferme-la! Au secours! Heureusement pour elle, Ondoa
arriva à temps. Lâchez-la! Police, allez, citez votre âme. Eh, ça va chef. Et soudainement, il repoussa Nanga vers l'officier Ondoa et s'enfuya. Eh, revenez! Revenez ici! Monsieur, s'il vous plaît! Et cela attira de la foule. La diablesse, en passant, vit qu'il y avait une foule regroupée à un endroit. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Allons-y. La famille, pour nous soutenir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est reparti! Alors, elle s'approcha donc de la foule. Mais si, officier, c'est à cause de vous que nos enfants sont en sécurité ici. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Nanga? Maman! Maman! Nanga, c'est votre fille, madame? Elle a failli se faire enlever. Mais heureusement que l'officier Ondoa était là. C'est votre fille? Je suis vraiment désolée, maman. Oui, c'est ma fille. Merci de l'avoir arrêtée. Mais de rien, je ne savais pas que vous aviez une fille. Et pourquoi devriez-vous le savoir? Allez Nanga, allons-y. Donc, comme ça, elle a une fille. Mais pourquoi voulait-on kidnapper sa fille? Alors, Kana s'en alla avec sa fille. Allô, monsieur, le plan a échoué. Un officier s'en est mêlé. Un officier, vous dites? Trouvez-moi qui est cet officier qui a osé s'interposer entre la diablesse et moi. D'accord, monsieur. Et à la maison de Kana. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que... Qu'est-ce que tu ne savais pas? Ne t'ai-je pas dit de ne jamais défier ma parole dans cette maison? Tout ce que je fais, mais tout, c'est pour te protéger. Ne le comprends-tu pas? Mais... Maman, je... Ferme-la. Elle est venue. D'accord, j'arrive tout de suite. Et toi, va dans ta chambre et n'en sors pas. Tu vois, Ifunaya, elle n'a jamais de temps pour moi. Vous aussi, mademoiselle. Regardez, je suis là. Si vous voulez, vous pouvez venir m'aider en cuisine, en cachette. Votre mère sort, n'est-ce pas? Ah bon? D'accord, allons-y alors. Eh, chut, parlez doucement. Allons-y. Ainsi, la diablesse arriva à sa planque. Venin, j'espère que tu as de très très bonnes nouvelles. Parce que je suis vraiment très furieuse là. Oui, diablesse, j'ai d'excellentes nouvelles. Péché a enfin accepté de s'associer avec nous. Mais pour cela, il a demandé des sacrifices. Mais de quel sacrifice parles-tu, Venin? En fait, pour pouvoir faire affaire avec lui, nous devons nous séparer de 5 de nos femmes. Je vois. Apparemment, ce vieux crado est toujours aussi pervers. Mais je ne m'opposerai pas à cela. Il faut bien des sacrifices pour pouvoir arriver à mes fins. Venin, oui, diablesse, va et prends 5 de nos femmes. Habille-les comme il se doit et envoie-les comme cadeau à notre cher péché. D'accord, diablesse. Une fois que nous régnerons en tant qu'il est meilleur, plus aucune femme ne sera rabaissée. Plus d'humiliation. Plus de maltraitance. Plus jamais. Allez, maintenant, va-t'en. D'accord, diablesse. Et de l'autre côté, Ondoa était avec son ami Carlos et Bolingo. Ce que nous savons sur la diablesse, c'est qu'elle est à la tête d'un gang féminine. Donc, pour réellement connaître son identité, il faudrait s'introduire dans ce gang. Mais nous sommes des hommes. Comment allons-nous faire? Messieurs, j'ai une personne parfaite pour ça. Ainsi, ils allèrent voir Sheila. Sheila sortait de chez elle. C'est là, comment tu vas? Oningo, tu fais quoi ici chez moi? Et c'est quoi que tu portes comme ça? C'est quoi ça? Tu ne vois pas que c'est mon costume de travail? Oui, je travaille comme on les appelle Mankokomana. Bref,
Je suis une attireuse de clients. Oui. Bolingo, tu es sûr que c'est elle qu'elle fera l'affaire? Hein? Ouais, messieurs. Quand je vous dis quelque chose, c'est que c'est ça. C'est elle. Mais de quoi vous parlez? Hein? C'est là. Abandonne ce travail. On a un nouveau travail pour toi. Hey, Momo. Merci Seigneur, tu as écouté mes prières. Hey, allez, venez, entrez. Entrez à l'intérieur. C'est d'abord un travail de quoi? Un travail d'enquête, c'est là. Hey, oui, Seigneur. Entrez, entrez doucement. Ne faites pas de bruit. Oui, je connais mon travail. D'accord. Hey, monsieur, il faut dire d'accord doucement. Oui, soyez très discret. Bolingo, c'est comme ça qu'on ouvre la porte. Doucement, non? Vous voyez, non, monsieur. Je vous ai dit que c'est une professionnelle. Une pro. Avant, on travaillait ensemble. Ah bon? Oui. Ainsi, ils entrèrent à l'intérieur et commencèrent à expliquer tout à Sheila. Je vois maintenant. Je vois. On doit intégrer un gang de femmes. Oui, je vois. C'est possible. Mais il faudrait maintenant qu'on sache comment elles font pour intégrer ce gang. Il dit que vous êtes venu frapper ici à la bonne porte. Je connais quelqu'un qui s'appelle Facebook, qui connaît beaucoup de gens et beaucoup de choses. Allons-y alors, maintenant. Oui, allons-y. Attendez, je vais pas d'abord me changer. Ainsi, quelques minutes après, ils s'en allèrent chez Facebook. Hey, Facebook, ma coucou, c'est comment alors? Oh, Sheila, tu es là. Mais comment vas-tu? Tu brilles, dis donc. Non, ok, je ne peux pas briller plus que toi. Facebook, il dit que je voulais te demander quelque chose. En fait, je voulais intégrer un gang là. Un gang, Sheila? Oui, parle doucement, non. Oui, un gang. Oh, quel gang? Le gang de la diablesse? Comment tu... Tu penses que toutes les filles qui disparaissent ici au quartier partent où? Tu penses que ta voisine Mérilla est partie où? Elle est partie dans ce gang. Donc, Mary. Oui, je te le dis. Wow, elle sait vraiment tout. Est-ce que tu saurais qui est la diablesse? Comme ça, on finit même avec ça une fois. Bon, pour l'autre là, bon, je suis seulement les rumeurs. Mais sinon, la réponse est encore en cours de téléchargement. Mais je peux directement te mettre en contact avec cette femme qui a recruté presque toutes les filles du quartier. D'accord. D'accord. Mais pour être sélectionné là-bas, tu devras t'habiller autrement. M'habiller autrement, comment? Monsieur, j'espère que la vessie n'est pas dangereuse. Et c'est ainsi qu'ils eurent toutes les informations pour entrer dans le gang de la diablesse. Le lendemain soir, la diablesse avait enfin rendez-vous avec Péché. Les filles, soyez toutes prêtes, car ce soir, on accueille un invité très particulier. Vous devez toutes être très sexy et souriantes. Le but est que nous réussissions enfin à faire affaire avec Péché. Est-ce que vous m'avez bien comprise? Mais diablesse! Voilà qui est génial. Allez, allez vous faire belle. Ainsi, quelques minutes plus tard, elles étaient toutes prêtes à accueillir Péché. Venant, les filles sont déjà allées le chercher. Mais diablesse! D'accord. Et soudainement, il entra. Et ce, avec son homme de main, Scorpion, à sa gauche, et la femme qui ne le quitte jamais, Tigresse, à sa droite. Veuillez accueillir, comme il se doit, l'homme que l'on ne présente plus, Péché. Bienvenue! Bienvenue, Péché. Quel honneur de vous rencontrer. Diablesse, quel plaisir d'enfin pouvoir vous rencontrer. Laissez-moi vous dire que vous êtes tout à fait magnifique. Merci. La diablesse avait enfin pu rencontrer Péché. Arrivera-t-elle à ses fins avec lui? Ça, nous le saurons dans la prochaine partie. À suivre. Choisis et clique sur les images qui viennent de s'afficher pour voir nos nouvelles et meilleures vidéos.